Hello tout le monde, c'est le début du règlement H, et oui, je sais, je joue pas Kourous hein, pour le début du format, parce que j'arrive pas à trouver la bonne formule. Avec lui, je me trouve trop faible contre trop de choses, mais j'ai un petit peu du mal à trouver quelque chose qui me plaît vraiment, où je me dis pas, ah mince, j'ai un match-up catastrophique contre telle ou telle chose, j'ai peur que le format soit un petit peu match-up roulette, ou alors c'est peut-être moi qui n'y arrive pas jusqu'ici, mais on va commencer avec du Dondozo, avec Zoroark, Zoroark insupportable, hein. Tout court, Zoroark insupportable, quoi qu'il arrive, hein, même si on n'est pas en close team list, le poké est très chiant, d'autant plus que dans cette équipe, il n'y a aucun Pokémon qui affiche son talent en arrivant sur le terrain. Alors que par exemple, un Félinferno qui va faire intimidation, bon bah, quand tu vois un Félinferno faire intimidation, tu sais que c'est pas un Zoroark. Là, dans cette équipe, aucun Pokémon va montrer son talent en arrivant, donc... eh bien, il peut venir à la place d'à peu près n'importe qui, même si c'est un petit peu tricky avec Dondozo Tatsu. On va certainement le voir, parce qu'il y a des chances que je prenne Zoroark à au moins une game. Et à côté de ça, bah, sinon c'est du classique. Pourquoi je mets pas Dracolosse ou Pomarmotte qu'on voit souvent là-dedans? Bah, parce que je me sers mal de ces deux Pokémon-là en général. On affronte du Pyrax avec Angoliath. Alors, il y a tout ce qu'il faut en face pour embêter Dondozo. Il y a Gus. Bon, après j'ai Terra Acier. Donc, ça bloque Bain de Smog, mais il peut toujours m'endormir. Et si je fais Terra Acier, le Pyrax peut me faire des dégâts corrects. Dernier mot sur Grimmsnarl, ça peut me faire perdre mes boosts en attaque, ça peut être très très chiant. Plus le cycle de bluff, intimidation, le champ imbu, il a un petit peu tout ce qu'il faut l'adversaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher de profiter de tout ça? Parce qu'en plus, il peut tanker Gros Mago en début de game. Et Tellurry Force, on s'en servira. Enfin, on n'a pas l'occasion trop de s'en servir. Parce que oui, c'est vrai que je joue Mortal Spin et non pas Tellurry Force sur Fleur Éclat alors qu'on a l'herbe pouvoir. C'est un petit peu bizarre, je sais. Mais je pense que c'est pas nul du tout. Je pense qu'on va vouloir faire Mortal Spin sur quelque chose en début de game. Je pense qu'on va vouloir prendre Flambusard et Fleur Éclat en début de game. Mais est-ce qu'on veut vraiment prendre Dondozo Tatsu? Moi, je pense qu'on a trop de problèmes contre Dondozo Tatsu. Donc je pense qu'on va prendre Dondozo lui-même, mais avec Gros Mago. Parce que le but, c'est que le Pyrax ne puisse pas jouer tout seul, en gros, qu'il puisse pas faire la game. Et dans ce cas-là, Dondozo, bah peut-être que c'est grâce à Dondozo hein, qu'on va le battre avec un Wave Crash. Pas forcément besoin d'être boosté pour ça. Si on force sa Terra, on peut peut-être l'exploiter avec les trois autres Poké. Et Gros Mago, faudrait qu'il ait un petit peu de la place. En gros, tout ce qui bloque Gros Mago, donc fait l'Inferno Pyrax, eh bien, Dondozo, il les tape. Mais... si on entre Tatsu, on va s'empêtrer dans quelque chose de pas gagnable parce qu'il y a trop d'armes en face. Il y a vraiment trop d'armes. Dondozo Tatsu, c'est une erreur. Mais Dondozo, ça reste un poké haut avec des stats intéressantes. Wavecrash, c'est un move puissant. Pas besoin d'avoir une très grosse attaque pour faire des jolies choses. Donc, pourquoi pas. Très, très intéressant ce lead. Pyrax, Fire et Giraffe, très intéressant pour moi. Hein. Ça m'arrange carrément de voir ça. Mais Ruse ne passe pas. À cause du talent de Fire et Giraffe. Donc je peux pas casser l'abri de Pyrax si jamais il se protège au tour 1. Et ça, ça m'embête un petit peu. Parce qu'il a des belles raisons de vouloir se protéger, je trouve, le frérot. On peut faire... bah non, on peut pas. J'ai dit on peut faire rapace à gauche. Non, on ne peut pas. C'est pas possible. On peut faire bout de feu à gauche. On peut faire bout de feu à gauche parce qu'on veut pas le laisser... ouais, mais attends. S'il fait Trichrome, il peut pas faire Trichrome Papillon Danse en même temps. J'ai envie de faire bout de feu plus bomber qu'à droite, moi. Fire et Giraffe, il me tuera pas en... déjà, on avait un Mortal Spin gratuit. Ok, bon, on a doublé dans le Protect. Je pense à Protect, tout ça pour doubler dedans. À voir ce que fait Fire et Giraffe. C'est vrai que s'il tape sur mon Glimmora, c'est un peu les cata. Mais il peut aussi avoir peur que je fasse vent arrière. Ouais, non, parce que ça fait pas envie vent arrière pour moi de... ici. Ok, bon, merci à l'adversaire, parce que là, je pense que distorsion, c'est une vraie grosse connerie. Hein. Merci à lui. Maintenant. Flambusard, plus tard. Il peut carrément servir. Mais, enfin, le problème, c'est que là, il propose rien, en fait. Il propose rien. Je pense qu'on va faire bout de feu sur le Pyrax, encore une fois. J'espère qu'il va pas me sortir Terra Dragon, j'espère que c'est bien Terra Plante. Mais vu sa team, Terra O, ce serait pas mal, hein. Je pense pour lui. Et c'est catastrophique pour moi parce que je ne peux pas punir Terra O. C'est pas avec Tonnerre de Gros Mago qu'on va punir. Là, je suis tenté de Terra et de faire Mortal Spin.
et gagné par Don Dozo lui-même en quelque sorte. Oh, ça retire Pyrax, d'accord. Très belle nouvelle. Très très belle nouvelle. Et Golé rentre, bah c'est parfait, parce que je vais pouvoir faire ruse sur mon Fleur Éclat au tour d'après. Et comme ça, oh, ce qui est dommage, c'est, que, c'est de ne pas avoir fait Météor Bim à gauche, parce que là on se mettait super bien. Mais c'est déjà pas mal d'avoir fait Bout de Feu sur ce Golé qui rentre. Ah, remarque, attends, il y a un monde où il termine mon... Enfin, où il tape mon Flambusard. Ça, plus les dégâts de recul, on pourrait mourir. Parce que là, si je fais ruse sur mon Fleur Éclat, je mets l'épique toxique pendant que Golé est déjà sur le terrain. Et c'est Psychic Noise, alors là, c'est le rêve. Et non, il tuait pas du tout avec Psychic Noise, hein, j'ai pas exagéré. Il va me soigner, mais bon, c'est pas le plan avec, avec Phare et Girafe. Et il a le Throat Spray. Faut pas oublier que Psychic Noise, c'est un move sonore. Il n'y a pas qu'avec Mégaphone qui peut se booster. Mais à plus 1, c'est une puissance quand même moindre par rapport à Psycho. Faut pas l'oublier, ça. Donc Golé, on peut évidemment pas l'empoisonner avec son type poison. Mais il prend quand même une dose sur Bout de Feu. Ça nous fait plaisir. Maintenant, le problème, c'est Mégaphone. Mégaphone Sport. Ouais, bon, on a aussi le droit de pas être d'accord. Hein. Parce que je peux faire ruse maintenant, mais ça veut dire qu'il peut prendre un double KO. Probablement. Et ça, je peux pas vraiment l'accepter. Si, je peux l'accepter en fait, parce que derrière, je peux faire Make It Rain Protect et il a pas vraiment de play contre ça. Ruse, Fleur Éclat. Si on peut taper, on fait Meteor Beam. Attends. C'est Chic Noise, il m'a fait ça. Ah, il y a moyen qu'on meure pas. Hein. C'est pas impossible. Et Meteor Beam à gauche, je pense qu'on veut, on veut pousser sur ce slot. Hein. Ruse sur mon allié, parce que comme ça, ça va activer le talent de Fleur Éclat. Bon, les dégâts sont, c'est pas très importants. Hein. Le Flambusard est loin d'être max attaque d'ailleurs. Et on prend Sport, d'accord. Maintenant, question. Est-ce qu'on perd Fleur Éclat? Si on perd pas Fleur Éclat, on se met trop trop bien. Allez, mon grand. Oh, let's go. Bon, après Ruse, on tient à 5 HP, c'est que je pense qu'on était relativement tranquille du coup. Hein, je pense. Allez, faut pas rater ce Golé. On le foudroie avec Laser Météor, comme ça on n'en parle plus. Let's go, ok. Il aura toujours les pics toxiques. Il a pas la possibilité de faire Sport ou Bain de Smog sur mon Don Dozo, parce que j'ai déjà claqué ma Terra, donc Bain de Smog aurait été un vrai problème. Par contre, va falloir battre le Pyrax. Hein, alors qu'on a Flambusard endormi. Ce n'est vraiment pas évident. Et Pyrax revient, d'accord. Là, s'il est malin, il attend le dernier tour de Tricombe pour faire Papillodance. Ce serait le meilleur play. Ce serait très bien joué. Parce que là, Giga Sensu, ok, on ne tient pas compte de ses boosts avec Inconscient, mais quand même. Mais quand même. On passe dans le vide, bien sûr. Et on va faire... Spiky Shield. Oui, je pense qu'on fait Spiky Shield. Est-ce qu'on va essayer de renvoyer Fleur Éclat plus tard? C'est possible. Mais bon, si prend Nosas qu'un boost, ça devient un peu la cata. Ok, donc du coup, on perd pas Fleur Éclat dans l'histoire. Il y a un monde où on pouvait rentrer Gros Mago gratuitement. Je sais pas. Je sais pas. Ça fait Quiver Dance. D'accord. Ok. Ok, mais il est empoisonné, on n'oublie pas. Du coup. Je peux envoyer Don Dozo. Pour moi, il peut juste Terra Fleur Éclat pour se permettre de taper tout de suite. Hein. Il a pas encore claqué sa Terra, c'est le gros avantage pour lui. Enfin, là, si j'avais Tatsu, je gagnais. Hein. Je pensais pas qu'on pourrait gagner en prenant Tatsu. Il m'a laissé... Bizarre un peu, parce qu'il m'a laissé prendre ça... On pose des questions. J'espère que c'est Danse du Feu. Et... Oh, quoique, bah non, ça règle pas le problème en vrai. Non, dans tous les cas, il y a que Don Dozo qui peut s'occuper de Pyrax. Hein. Ça bouge pas. Hein. Mais qui est-ce qu'on veut garder en vie? Fleur Éclat ou Gros Mago? Je pense que c'est Gros Mago. Hein. Je pense que c'est Gros Mago. Donc on va laisser Fleur Éclat sur le terrain. On va faire Wave Crash. Mais non, mais autant tenter un double Spiky Shield, non? Oui, je pense que c'est mieux. Pas vraiment de raison de pas le tenter. Mais pour moi, il peut juste Terra son Pyrax, quelle que soit sa Terra, même si c'est eau, même si c'est dragon. Il Terra pas du tout? Ah bon? Parce qu'il se protège, d'accord. Ok. Bon, bah du coup, Gros Mago, il est rentré gratos. Ah, non, c'est Chic Noise, d'accord. Alors, c'est vrai qu'il me gratte,
Avant de faire Giga Sensu, parce que là, Giga Sensu, Terra Plante, il est content. Mais, vu qu'il n'est pas allé chercher mon Fleur Éclat, si Terra Plante, alors... Oui, mais frère, tu fais Terra Plante et tu vises Fleur Éclat, en fait. Ça règle tous les problèmes. ça te fait juste gagner la game. Hein. Parce que là, le poison, d'accord, c'est bien gentil, hein, mais... ouais, il n'est pas encore très très low. Hein. Il doit avoir une citrus, lui. Hein. Non ? Il n'a pas les restes. On l'aurait vu. On l'aurait vu avant. Que si je fais order up sans boost, admettons il terra, parce que bon, je me doute qu'il va terra. Order up plus le poison, on va pas y arriver. Hein. On va pas finir dans les temps. Même avec protect, il faut finir les Poké restants en fait. Donc ça paraît juste pas possible. Ou alors on essaye d'avoir raison, entre guillemets. Il m'a vu. Le problème, c'est qu'il vient de me voir faire Bomberg sur son Pyrax, donc j'y crois pas du tout. On verra maintenant. Parce qu'il a un petit peu de HP à récupérer sur Bomberg, mais pour moi, le plus simple, c'est juste de viser Fleur Éclat. Donc j'espère qu'il va faire une erreur, et c'est effectivement Terra Plante. Je mise sur une erreur. Je pense pas pouvoir gagner sur autre chose ici. Enfin, c'est fou quand même qu'avec Tatsu, on gagne tranquille. C'est fou. Et c'est canicule, baf, ouais. En plus, il a des dégâts de zone. S'il rate, peut-être ? Non. Parce que là, sur canicule, on prend pas beaucoup de dégâts. Parce que la rigueur, il sait... Ouais, non, passe danse du feu ou canicule, dans tous les cas, ça tue Gros Mago ou... Fleur Éclat. Faut juste qu'il passe le move. C'est vrai qu'il peut rater mon Gros Mago encore. Hein. Il peut rater mon Gros Mago. Giga Sensu, il récupère beaucoup de HP. Il vient de me voir faire abri, donc il sait qu'il peut viser le slot. Il est pas censé être vraiment en danger, mais je pense que tu dois respecter Gros Mago quand même. Ah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu respectes le Gros Mago en prenant le risque de rater? Ou est-ce que tu vises le Dondozo en te disant, bon, bah de toute façon, il va pas tenter un double abri. Vas-y, je récupère des HP dessus, comme ça, je suis censé être tranquille. Parce qu'il peut se faire crit par Gros Mago dans l'histoire aussi. Hein. Order up si je crit. Dozo, il y a un monde où il finit tout seul, ça me paraît pas vraiment possible, mais bon. Qui traîne. Canicule qui rate, peut-être. Giga Sensu. Ok, bon, bah double protect, c'était vachement bien. Ça tue pas, d'accord. Donc, ouais, mais il récupère plein de HP, le salopard. Après, bon, j'ai les lunettes choix. On va quand même faire très mal au Pyrax, mais bon, je pense qu'il a une citrus. Il est toujours pas arrivé midlife, hein, je crois, hein. Non! Attends. Ouais, mais ça fait peu. Ça fait trop peu! Il meurt pas? Non, mais là, il meurt même pas à la fin du tour suivant. Ah, c'est juste. Mais je crois que non. Hein. Je crois que non. Parce que là, autant là, maintenant, j'ai le doute. Mais avant, j'étais certain qu'il mourrait pas en deux tours. Ouais, de toute façon, c'est algorithmique le dernier. Bon, bah voilà, il a juste à. il a juste à tuer mon Gros Mago, là. La question se pose pas. Hein. Mon Dondozo va pas battre le algorithmique. Si j'avais mes boosts, le. Algorithmique me fait vraiment pas peur. Hein. De toute façon, il a le chien imbu là pour l'aider à récupérer. Mais il peut encore rater canicule. Et dans ce cas-là, on gagne. S'il rate canicule, je peux espérer que ça maintenant. Ah, il a perdu son Gus comme ça. Il s'en est sorti. Ah, ça me paraît fou de pas avoir puni ça. Ça me paraît terrible. Est-ce que cette terra n'était pas un peu prématurée? Bah si, parce qu'on tenait le Psychic Noise, le premier Psychic Noise. Du coup, ça veut dire qu'il fallait pas la faire, cette terra plante. Je pense que c'est ça qu'on paye cher plus tard. Ouais, l'animation elle part pas à cause de Protect, mais peut-être qu'elle va pas partir du tout. Elle part. Dommage. Ah, y a pas de bulk sur Golden Go, donc je peux pas espérer tenir Canicule ici. Ah, plus 1, y'a aucun doute. Ah, comme c'est dommage. Comme c'est dommage. Après, le matchup est censé être dur, d'accord, mais je trouve qu'il l'a mal joué, donc moi, son Gus, il le voit... Je comprends pas, genre... T'avais la possibilité d'envoyer ton Riaboom à la place de ton Gus, t'étais tellement bien, mais... Bon, il a pas voulu. Ah, rip.
Non, bah là, y a aucun suspense. Hein. Quand bien même j'ai un double protect, non, Pyrax il meurt même pas encore, je crois. Et Dondozo me termine derrière, il me dépasse là. Oh, il aurait fallu prendre Tatsu dans ce match-up, c'est invraisemblable, mais bon. Écoute, pratique me donne tort, quelque part. Hein. Gros Mago dans le bac, de toute façon c'était lui ou... Bon, c'était lui ou rien. Hein. C'était lui ou Zoroark. Zoroark m'aurait pas aidé. Hein. Zoroark c'est utile en début de game, mais Zoroark dans le bac... Faut vraiment avoir un boulevard pour que Zoroark dans le bac, ça puisse vraiment t'aider. Donc là, dans ce match-up, est-ce que Zoroark aurait pu me servir? Allez, admettons, on est au courant de l'idée adverse, qui était donc Faré Giraffe et Pyrax qui l'a retiré directement, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Bah après, bon, qu'est-ce qu'il aurait fait au tour 1, on sait pas. Hein. Mais c'était Pyrax, Faré Giraffe et bah, Floreclaw en début de game plus Zoroark. On se fait passer pour Dondozo. Ça lui donne envie d'envoyer son Gus. Ouais, ça pouvait être pas mal, ouais. On pouvait peut-être faire un truc. Luxray, oh là là, le niveau, ça va être quelque chose. Parce que là, quand je vois le 6, je peux pas m'attendre à ce que le niveau soit correct. Ça, c'est assez incompatible. Du coup, ici... Bah, Dondozo est censé être assez tranquille, là. Ouais, s'il arrive à insister avec Blood Moon. Mais c'est pas évident. Le problème, c'est qu'il faut gérer Fragile Dishartor et le reste. Mieux vaut que ça soit compliqué pour le reste plutôt que pour ça, parce que si tu laisses Fragile Dishartor faire un tour 1, un bon tour 1, derrière, tu n'as plus de poké, tu n'as plus de HP, en fait. Donc, tu ne peux juste pas gagner la game. Alors qu'avec Flambusard, Floreclaw, on doit pouvoir faire des choses. S'il s'amuse à faire Poudre Dodo sur mon Floreclaw, bon, grand bien, enfin, grande idée de vouloir faire Poudre Dodo sur Floreclaw. Bah, en vrai, est-ce qu'on veut pas Terra... Tant qu'on tape le Charter, est-ce qu'on veut pas se permettre, quelque part, de faire Terra Plante avec Floreclaw pour couvrir cette possibilité de Poudre Dodo qui fait pas envie pour l'adversaire, mais en même temps, avec Fragile Lady face à Flambusard, Floreclaw, est-ce que t'as vraiment envie de le prendre en lead? Et qu'est-ce que t'as envie de faire quand t'es face à ça, hein? Bon, t'as pas envie de faire Close Combat, t'as pas envie de faire Solar Blade sur Glimora, ça c'est certain. Mais y a rien que tu puisses vouloir faire, en fait. Y a rien de... Non. À la rigueur, Poudre Dodo, ça force un peu la Terra Plante. Donc, ouais, à la rigueur, pourquoi pas. Mais non, c'est oui, Messire et Blood Moon, d'accord. On peut pas tuer les deux à la fois. Hein. S'il fait Mégaphone, il tue pas Flambusard. Enfin, il tue personne d'ailleurs. Et s'il fait Tellurie Force, Flambusard, il est tranquille. Ici. Moi, je veux pas chercher à me protéger, donc Ruse ne me pose pas de problème. Et empoisonner Blood Moon, c'est important parce que la Life Orb plus le poison, ça va me permettre de le tuer plus rapidement. Le souci, c'est qu'il va faire peut-être beaucoup de dégâts rapidement, quoi. Et s'il fait Trick Room, il tape pas tout de suite, on pourra se protéger pour temporiser un petit peu, avec le poison ça met bien. Donc on va faire Ruse sur Floreclaw, parce que certes il y a le champ psychique, mais ça m'empêche pas de faire une priorité sur mon allié. Ça n'empêche pas, et du coup est-ce que c'est Mortal Spin, est-ce que c'est Terra? Non la Terra, Terra pour Dondozo, bof bof. Hein. Mais si je Terra et qu'il fait Mégaphone, j'ai l'air d'un con. C'est le problème. Ça donne envie à Tellurie Force, cela dit. Hein. Après, il peut faire Protect Trick Room aussi. Hein. Je pense qu'on va faire Mortal Spin sans Terra, dans le doute. Il se protège pas. Bon, déjà, il se protège pas. Au moins, on empoisonne le Blood Moon, c'est déjà ça. Parce que s'il fait Tellurie Force, bon, dommage. Mais au moins, on l'a empoisonné. Plus les dégâts de la Life Orb. Il va pas kiffer. Et avec le boost en défense spéciale sur Louis Messire, je pense que... Oh nice, c'était méga fun. Tout mettre dessus, c'était pas un play. Hein. Ok, ça pose Trick Room. Dès le tour 1. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'accord. Ah ouais, on en est là. Les restes sur Blood Moon, d'accord, bon. Bon, il va prendre deux fois moins de dégâts. Hein. Au niveau du calcul, hein, ça revient à ça. Hein. À la fin de chaque tour... Il va perdre qu'un 16ème. Ce n'est pas très grave. Est-ce que tu fais coup de main? Je ne sais pas. En tout cas, on va faire bout de feu. Après, il fait moins peur du coup. Hein. Où est-ce qu'on fait le bout de feu? On le fait à gauche du coup? Parce que s'il n'est pas à range d'un seul séisme, au final, ça n'aura pas servi à grand chose. Mais quoi que on peut faire rapace ou bout de feu, ça change pas grand chose maintenant. Allez, donne-moi une raison de faire
Ouais, si, rapace pour mieux couvrir l'ensemble, mais bon. Un détail. J'ai plus le bourrasque, hein, je peux me permettre, malgré le champ psychique. Vu que je suis plus full HP, il n'y a plus de priorité. Ok, ça terra normal maintenant. Il en a besoin pour faire chaos sur Flambusard. Bah là, en vrai, il peut faire mégaphone terra normal, plus un move psy s'il en a un sur son Wimessir. Mais bon, est-ce que Wimessir a vraiment un move psy? Après, c'est vrai qu'éclat magique dans le format, c'est pas incroyable. C'est moins intéressant qu'avant. Donc Wimessir joue peut-être un move psy. Bon, on saura jamais, il fait par ici. D'accord. Ah, de coups de main ici. T'es pas confiant pour tuer. Ouais, bah non, parce qu'il y a Floracla, donc non. D'accord, avec Terra normal du coup. Mais l'avantage, c'est que là, j'ai préservé mon Floracla, il pourra revenir plus tard dans la game. Donc là, on meurt, évidemment, on a pris un petit peu moins de midlife. Tu rajoutes la Terra, bon bah voilà, la différence, elle est là. Mais bon, malheureusement, c'est pas énorme vie, j'aurais bien voulu qu'il ait 20% de dégâts en moins. Mais, enfin, oui, qu'il ait pris 2 fois 10% et sans la récup des restes, c'est relou cette histoire. Après, bon, il fait moins mal, admettons. J'ai du mal à croire qu'il fasse Tellery Force sur le slot de Floracla là. Là, claquer une Terra Acier, ça peut être intéressant, mais attention au timing. Parce que là, j'ai envie de faire Protect et taper avec Floracla. Moi, jamais de la vie, tu fais Tellery Force sur Floracla. Si j'envoie Tatsu et qu'on me donne 2 auto-tapes, j'ai un tour tellement gratuit, ça me paraît impensable. Donc, on va faire Bomberk à gauche et Abri avec Donnozo. Oh, Abri, oui, Messire. Waouh, c'est vraiment pur. Hein. Enfin, tu peux vouloir jouer Abri sur Messire, mais là, dans quel monde tu veux faire ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est Blood Moon sur mon Donnozo, d'accord, ok. Enfin, c'est parfait parce qu'il pourrait même pas le faire le tour d'après. Là, c'est vraiment le rêve. Et j'ai même gardé mon herbe de pouvoir pour plus tard. Ah bon, on a un crit sur Bomberk, ça va totalement changer la game. Parce que là, il a un switch-in gratuit pour quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Parce que le but, en gros, c'était de faire switch-in Tatsu, Terra Acier. Et du coup, on résistait bien à Mégaphone. Alors, c'est vrai que s'il faisait Tellery Force, c'était relou, mais est-ce qu'il aurait vraiment fait Tellery Force? Je ne pense pas. Et on le sait, séisme avec le poison, il était finito et on n'était plus embêté par Trichrome d'une quelconque manière. Mais là, c'est pas pareil. S'il y a un Charter qui se pointe et qui fait Clear Smog. Alors, c'est bien embêtant. Après, j'ai une idée, hein, mais faut se lever tôt. Hein. On envoie Tatsu. Et on tape avec Floracla. Ou on fait Spekishi. Non, c'est une idée de merde. Non, faut espérer qu'il me fasse pas bain de smog. Mais il jouerait bain de smog sur Charter avec Fragility à côté, c'est bizarre quand même. Après, bon, il joue X-Ray, donc bon, je sais pas s'il y a vraiment des conclusions à tirer de. Je sais pas s'il y a des choses vraiment très logiques là-dedans. Il a déjà Terra, on va faire séisme et envoyer Tatsu, hein. Un peu téléphoné, mais bon, faut juste espérer qu'il ne clique pas un clear smog. Et quand bien même il le clique, en vrai, je suis pas convaincu que ce soit un drame. Parce que ça veut dire qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Séisme, il kiffe pas vraiment. Plus le poison. Le Indeedee est à range pour ne pas reposer une Trick Room plus tard. Donc est-ce si grave que ça? Pas sûr. Pas sûr. Fragility poserait problème par contre. Putain. Fragility poserait beaucoup de problèmes. Alors que si on prend éruption, ça va quoi. Par ici, parce que tu crois que je vais faire quoi? Bon, j'imagine qu'il a pas de move offensif. Hein. Ah, lance soleil, ah oui. D'accord, bon. Je pense que le niveau est très 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 bas. Pression sur crit. Ça va. 2,25 fois ça, ça fait le chaos. Hein. Donc bon, j'aurais vraiment pas apprécié. EQ, ok, tranquille. On fait des gros dégâts. Il y a le poison. Personne ne meurt, mais tant mieux, parce que ça le met jamais dans un bon spot. Ok, il a jamais fait coup de main. Il a jamais tapé avec son Indeedee. Là, le problème, ce serait que Fragility rentre. Oui, mais Indeedee qui revient. Je fais un protect, il meurt. Sinon, je fais Terra Acier maintenant.
qui va s'amuser à faire un moufeu ce tour-ci. Le doute m'habite. Hein. Fragilité derrière, qui est terrifié. Il peut pas gérer Tatsu et Forek là. Oui, mais au pire, le Charter il va mourir tout seul. On va protect, ok, il se fait chiner rien. Au pire, le Charter il va finir par mourir du poison. Mon Fleurek là, il peut faire Spike et Shield, puis Terra Plante. Donc, il a pas peur du Fragedy, à moins qu'il s'amuse à faire close combat. Il pulse, mais ça c'est vraiment pas grave. Ça serait vraiment pas grave parce que, bon, on sait ce qu'on fait sur Séisme. On sait ce qu'il fait sur Lance-Soleil, accessoirement. Et là, je peux juste faire Séisme, en fait. Et je vois pas trop le souci. Au final, ça repousse... Enfin, ça fait un peu passer les tours de Soleil, cette histoire. Quoique non, je dis une connerie, parce que le Fragile... Le Indidi, il meurt maintenant. Oui, ça, c'est relou. Ok. Bon, ça explique pourquoi il a jamais fait de move offensif. Il a Protect et Vibra-Soin. Waouh. Ok. Admettons. Mais avec Fragile Eddy, s'il vient, est-ce qu'il fait Solar Blade? Est-ce qu'il fait... Oledia, ouais c'est ça. Je connaissais pas son nom japonais. Le problème c'est que là je viens de faire abri, donc le refaire maintenant, bof bof. Je pense que le top c'est Terra Acier, je sais pas. Parce que là, Solar Blade lance Soleil, on meurt. Lui il lui reste combien de tours de Soleil? Il lui reste 3, enfin il lui reste 2 derrière, donc mon Tatsu il va se faire exploser. Ouais, puis il y a un monde où il s'amuse à faire après vous en plus. En vrai, si je Terra maintenant, faut espérer qu'il me claque pas Poudre Dodo. Mais est-ce que face à Dundozo, là, t'as envie de faire Poudre Dodo? Parce que. La Terra à laquelle tu peux penser, c'est Terra Plante. Mais tu peux comprendre pourquoi j'ai pas de Terra avant. Alors, tu peux imaginer. Faut pas qu'il me sorte Poudre Dodo. Et s'il le fait, faut qu'il rate. Ah, en vrai de vrai. Non. Qu'il passe Poudre Dodo, c'est pas forcément grave. Parce qu'on a des tours de poison qui tournent. Et le soleil qui passe. Ouais, mais il me tuera au tour d'après. Il me tuera. D'accord. Ah, son deck. Le Indidi avait eu Rassoin. Il a voulu claquer. Oh bordel. Poudre Dodo et c'est passé. Bon. C'est lourdingue. Hein. C'est très 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 lourdingue. Hein. Éviter le move feu que Charter va vouloir balancer. Ça nous aide. Mais il y a un tour de soleil en trop. Il hein. Y a un tour de soleil en trop dans cette histoire. Deux tours de soleil, non, faut survivre ce tour-ci, parce que si... Tant qu'on a Tatsugiri, en dehors du soleil, on est bien. Même Floracla sur Solar Blade, franchement, je suis inquiet. Bah, après, que ce soit Solar Blade ou Close Combat, moi, ça change rien. Donc, oui, bon, oubliez ça. Ah, Star Réveil, let's go. Let's go. Bah, là, je vois pas trop comment je peux perdre, à moins qu'on meure sur Close Combat. Non, ça change rien parce que Charter, on s'en fiche de prendre des dégâts sur Tatsu. Dans tous les cas, Charter n'a pas la possibilité de tuer Tatsu en un coup. Et il refait Solar Beam. Attends, mais il est Specs et il est bloqué là-dessus, non? Il est Specs, comment on aura fait ça avec Solar Beam, ah ouais? En vrai, oui. Bon, Charter, t'as pas très fort, naturellement. Bon, merci l'Insta Réveil. Après, bon, il a passé Poudre Dodo, je pense que c'est pas un scandale. C'est pas l'avoir volé. Ici, close combat, admettons il tue, Solar... Ouais mais il n'y a plus de soleil, derrière Tatsu dépasse, on fait Dragon Pulse, là, cette range là ça devrait le faire. Bon, on doit tenir close combat là, s'il fait Poudre Dodo ça l'aide même pas. Non c'est IQ. Et c'est FF carrément, ok. Bon ça va. Ça va, mais vas-y, il m'a inquiété, lui. Hein. Il m'a inquiété, le frérot, là. Après, bon, il y avait un Luxray dans la team, donc à partir de là, tu te doutes que, bon, t'es pas sur un champion. Derrière, on a vu Blood Moon reste. Ouais, ça fait beaucoup, là, mon frérot.
Ça fait beaucoup. À la rigueur, t'aurais coup de main, tu peux te dire, bon bah j'ai une manière de compenser le manque de punch de mon Blood Moon. Et t'as de la redirection. Bon, mais bon, dans ce cas-là, est-ce que tu veux pas jouer plutôt... Bon, après, tu me diras, NDD, il peut poser Trick Room. Mais dans le format, tu espères que l'adversaire soit très 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 passif alors qu'il y a des trucs hyper agressifs dans le format. Il n'y a que si l'adversaire est assez passif que ça passe. Après, il y a des équipes qui le sont plus loin. Là, c'est vrai que j'ai pas envie de prendre Gros Mago vu sa compo. Le premier mec qui lit Gros Mago contre lui, c'est terminé, quoi. C'est fini instantanément, quoi. Alors, Go rythmique, tu Fenard, attention, encore de Fenard contre Donozo, c'est relou. Métalos, par contre, je ne sais pas ce que fait le Métalos là-dedans. Il grime. D'accord, alors. Il y a des choses qui n'ont pas peur de Gros Mago. Et même pas peur de Floreclat, les deux à la fois. J'ai pas feu follet, c'est chiant, parce que contre Métalos, ça aurait été vachement bien, même contre Karchakrok. Mais je me disais que, surtout en enlevant Tellurie Force sur Floreclat, je voulais toucher un petit peu mieux les Pokémon acier. C'est pour ça que j'ai mis bout de feu sur mon Flambusard. Quitte à pas avoir abri. Puis Ruse sert vachement avec Floreclat et avec Gros Mago aussi en début de game, je trouve. Donc, c'est pas parfait, mais ça me paraît mieux comme ça. Bon, bah si on met les pics toxiques, Dondozo, il est pas mal, non? Je pense qu'il peut pas tout faire à la fois. Si on prend un bon trade en début de game, on peut... Je pense mettre Donozo dans de bonnes conditions. Je vois mal comment il peut se dire « Oh, let's go, je pense que Grimmsnarl et Fenard, ça va super bien se passer face à Floreclat Golden Go. » Bon. Je trouve que ça fait moyennement envie. Mais s'il prend l'un de ces Pokés-là, après, il peut avoir Gorythmic, Pyrax, l'un de ces Pokés-là, et un Poké chien pour Glimora, peut-être. Ok, Grim avec Réaboum, ça c'est génial pour Floreclat, ça. Ça c'est du pain béni pour Floreclat, là. On peut pas demander mieux. Parce que là, ma crainte c'est Bluff Cavalerie Lourde sur mon Floreclat. C'est vraiment le truc le plus embêtant possible, sans exagérer. Parce que là, frérot, si je fais... Mais même j'ai envie de faire bout de feu sur la gauche. Parce que le poké... Ah, ok, est-ce que toi tu vas avoir envie de... Tu peux envoyer Karchakrok plutôt, non? Oh oui, grand chose, ouais. Rapace pour passer avant en protection. Au pire, si on voit Métalos, je pense que c'est pas très grave. Plus Mortal Spin. Ah, la Covert Cloak quand même. Oh, la Covert Cloak, ça c'est irresponsable. Gage éclair sur Glimora. Ok, son plan de jeu m'a l'air vraiment pas mal en tout cas. Oh, mais s'il n'y a pas Cavalerie Lourde avec, c'est un peu nul, hein. Après, on va pas tuer. Hein. J'ai aucun doute qu'on tue pas un Gorythmique avec ce Flambusard. Ok, ça va. C'est pas fait par Axe. Ça va, ça va. Nice, nice, nice. On empoisonne les deux. Question. Est-ce que le Gorythmique meurt sur Ruse? Le doute m'habite. Encore une fois, j'y crois pas trop. Est-ce qu'on va absolument Terra Plante dans ce match-up? Quand je vois les HP du Gorythmique, je dirais que non. Il est largement à range de Order Up, donc le travail est déjà fait. Et du coup, j'ai envie de Terra mon Floreclat. Oh, c'est sûr que je vais pas Terra Donozo. Je vais faire Ruse sur mon Floreclat, comme ça je suis sûr d'avoir les pics toxiques. Et on va faire Sludge Bomb à droite. Si on peut exterminer un slot maintenant, bon bah tant mieux. Hein. S'il peut pas switch avec le poison, il va pas être content. Hein. Là, ma seule garantie, c'est que j'aurais mis les pics toxiques. Et il a rien qui prend pas. Il a aucun poké qui touche pas le sol ou aucun poké poison, donc ça régale. Et avec la Terra, le Gorythmique, il peut faire ce qu'il a envie. C'est pas mon problème. Hop, on pose une rangée. Ça passe avant KG Claire aussi, hein, donc il n'y avait pas de danger par rapport à ça. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment garanti. Et c'est Cavalerie Lourde, nice. Bon, bah il y a deux rangées, ça va être très facile pour Dondozo maintenant. Parce que lui, il aura pas ses dégâts, puisque Gorythmique, il est au bord de l'agonie. En tout cas, pas mal, hein, la pose des murs dans Goliath. Goliath qui a fait un bon travail ici avec KG Clair et KG Clair. Plan de jeu solide que nous propose l'adversaire là-dessus.
Aïe, aïe, aïe. Et ça meurt sur ruse maintenant. Si ça part, si ça part, bien sûr. Sinon, c'est pas pareil. Non, c'est plus compliqué. Métalos, lui, il ne prend pas les pics toxiques. Mais le Chernobyl, il a été posé relativement tôt. Il pourra pas avoir la réduction de dégâts sur séisme éternellement. Plus que 3 tours de Chernobyl. Ça devrait pas trop être un problème. Du coup, on va faire ruse plutôt que vent arrière. Bah, comme ça, il fait rien ce tour-ci. Est-ce que c'est vraiment important? Pas de ouf, en vrai. Bout de feu à droite, c'est sympa, quand même. Bout de feu à droite, c'est sympa. Ouais, mais Gorithmique qui revient plus tard, qui peut bluffer. Pas dans tous les cas, s'il veut se barrer, il se barre à la main, non? Parce qu'il sait qu'il peut prendre ruse. On va faire bout de feu là-dessus. Ça va le forcer à peut-être doubler sur, sur Flambusard. Et je vais faire laser météore sur le shot de droite. Alors oui, c'est pas très efficace sur Metalos, je sais bien. Grassy Glide, d'accord. Ouais, mais ça fait 0. Et tu rajoutes Zenith Butt, ouais, donc il double. Et il y a le crit. Mais est-ce que Zenith Butt suffisait pas? Et là, du coup, ruse, ça changeait rien, en fait. Et je me fais Parax. Bon, bon, allez, on va dire que la veste était sur Metalos et qu'on n'allait rien faire. Admettons. Admettons. Donnez-vous des billards. Donc ça perd algorithmique, plus que 2 tours de champ herbu. Donc là je vois pas quelle embrouille il me sort là pour être tranquille. Je ne vois pas. Bon j'ai pas cramé l'herbe pouvoir, hein. On va prendre le positif. Ah bah toi non plus hein, tu fais pas tous tes dégâts sur séisme. Hein. Et tu es gravement empoisonné. On est content. Attends, une raison de pas se protéger pour commencer là. Il a encore le doute, est-ce que Floreclat reste ou pas? On va faire order up à gauche. Et on va envoyer Tatsu. On va pas espérer que Floreclat puisse taper. On envoie Tatsu maintenant. Il n'y a pas de vent arrière en face, hein. On dépasse tranquille. Hein. Il est obligé de terrasse son Karchakrok pour pas prendre un order up boosté. Voilà, à moins qu'on prenne double crit, je vois vraiment pas comment on perd. Après, le poison, il va prendre peu. En deux tours, ça fait moins que le poison standard, là, l'empoisonnement grave, vu qu'on a deux rangées de pics toxiques. Ça terra pas. Bon, il se laisse prendre order up. Écoutez. Grand bien lui fasse. Il a range de tout et n'importe quoi maintenant. Mais, qu'est-ce qu'il nous propose? Dans ça, t'es au courant que dans nos eaux, il a le talent inconscient et qu'il ignore les boosts des autres Pokémon ou tu t'en fous Là, il n'y a pas... Encore une fois, je pense que le principal problème de l'adversaire, c'est la volonté de gagner, là. Ah, frère, non, c'est pas possible, ça. Hein. C'est pas possible, il n'y a pas d'espoir de réussite. Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible, il reste combien de tours de champ herbu? Il en reste 2. Il a pas Terra, je suis pas fou. Hein. Bon, à moins qu'il me sorte Terra Vol sur Karchakrok, ça devrait aller. Parce que sur Séisme, il meurt là. Hein. Même s'il y a le champ Herbu qui est encore là, c'est pas un problème. Et on avance sur le Métalos. Ça fait pas de mal. On n'oublie pas que lui, il est pas empoisonné. Mais ce qui est bien, c'est que avec son super plan de jeu avec Cage Éclair avant Goliath, il a pas eu l'occasion de le faire sur mon Dondozo. Parce que là, ça aurait pu être très relou. Mais... Dans Slam. C'est dit, je vais faire Dans Slam là, face à Dondozo, c'est le bon play. Bon. Pas génial, génial. On n'a pas fait 100% win, mais le niveau là, c'est exactement ce que je craignais, parce que c'était un petit peu la déroute pour moi ces derniers jours hors stream là, en règlement H. Et je me doutais que sur console, il y avait une autre manière de gagner, c'est-à-dire que l'adversaire le fasse pour moi. Et là, bon. C'était pas folichon, on va dire. La prochaine fois, on jouera autre chose, on jouera Familial, mais pas Kourou Singe. Oui, je sais, hein, c'est quand même bizarre, mais bon. Enfin, maintenant, non, c'est pas très bizarre de jouer Familial et pas Kourou Singe. Dans le format Familial, il y a une vraie individualité intéressante. Du coup, ce sera demain, mais de toute façon, c'est une équipe que vous avez déjà vue si vous avez regardé les vidéos précédentes sur PS en BO3 Open Team List. Du coup, je vous laisse là pour aujourd'hui. Petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas fait, et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde.